What's up tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos de GTA V. Et là je regarde à côté de moi un magnifique soleil les gens, je sais pas si c'est le cas chez vous aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que ça fait pas mal de temps qu'on a des sales temps. En plus moi avec mon scooter je peux jamais sortir parce que soit il fait trop froid, soit il neige, soit il pleut, soit blablabla, soit blablabla. Et voilà, donc ça fait vachement plaisir d'avoir on va dire ce temps là, hein, ce temps que... qu'on retrouve en ce moment pas très fréquemment, ce qui est normal parce que on est toujours en hiver et forcément en hiver on peut pas s'attendre à du 30 degrés. Voilà, aujourd'hui on va donc parler à propos de GTA V, à propos de quelques petites choses qui risquent de vous plaire. On va revenir sur deux screens qui ont été en fait c'est des screens du trailer de ce fameux DLC braquage, parce qu'aujourd'hui on va parler de ce DLC entre guillemets braquage. Pour l'instant il n'y a aucune information au niveau de la date de sortie, à part que ce DLC là devrait arriver avant la date de sortie officielle du jeu GTA V sur la plateforme PC. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a eu des leaks sur ces deux véhicules que je vais vous montrer sur l'écran. Deux véhicules qu'on va retrouver dans ce DLC braquage, normalement, parce qu'on l'a retrouvé dans le trailer, donc on devrait les retrouver en tant que DLC. On pense aussi que dans ce DLC là, il risque d'avoir beaucoup de nouveautés, dont des véhicules et des véhicules qui n'ont pas encore été cités. C'est pour ça qu'en ce moment on retrouve beaucoup de leaks, beaucoup d'images, de trucs comme ça qui peuvent aussi s'avérer être du fake. Et c'est vrai que c'est vachement difficile de vous divulguer des choses qui a l'air plutôt d'être, on va dire, des vraies informations que des fausses. Donc c'est donnant-donnant, hein. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mais ici, bon, on sait très bien qu'il va y avoir ces deux véhicules-là, dont je vais vous montrer. Donc le premier véhicule a sa petite spécialité d'être un véhicule blindé qui doit pas rouler super vite. On va regarder après au niveau des véhicules, enfin j'ai des sources qui ont été divulguées. On peut voir aussi au-dessus une sorte de petite tourelle de canon, enfin c'est plus une grosse mitrailleuse qu'il y a dessus, hein, donc on va pas pouvoir tirer, enfin c'est pas vraiment un canon, mais on va pouvoir, faire défiler pas mal de balles. Ça c'est lorsque, à mon avis, vous allez faire des braquages dans certains endroits. Je tenais vraiment de vous rappeler aussi que ça passe passer que sur le yacht, le braquage, hein, parce que les gens ils se concentrent vachement là-dessus. Normalement, je vous avais déjà aussi pas mal parlé de ça, en fait, précédemment, il y a pas mal de mois déjà, mais il y a eu des sources, des trucs comme ça, ou comme quoi, en fait, les braquages aussi vont se situer dans des entrepôts, des endroits comme ça, de différentes, en fait, localisations géographiques, et ça risque de vachement donner. Et je vais vous montrer aussi ce deuxième véhicule qui a l'air d'être un peu moins blindé, parce que ça ressemble à, enfin c'est une sorte de gros 4x4 un peu tout terrain, mais par contre qui a une petite tourelle au dessus à laquelle voilà vous pouvez, on va dire, faire défiler pas mal de balles. Ça risque aussi d'être assez fun, ça, je pense, dans le mode online, hein. Faut pas que le voir dans le mode braquage, faire des braquages et tout. Je pense avec ses potes et tout on peut vachement délirer là dessus avec attention, il y a 3 leaks qui ont défilé en moins de 24 heures. Ces 3 leaks ne sont pas forcément des leaks très rassurants. Ça sort pas de la personne et qui s'appelle FunMW2, c'est cette fameuse personne qui ces derniers temps a vachement leaké des choses et qui en fait ça a l'air d'être vrai ce qu'il dit. Là on sait pas encore, enfin on sait pas exactement d'où ça vient ces sources, c'est juste ces défilés. Donc moi malheureusement je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas on a pu voir déjà des petites choses intéressantes, dont cette première chose, en espérant que j'ai tombé sur la bonne page. Voilà, super, en fait le bike électro. Le bike électro, j'ai fait des petites recherches et tout, et en fait ça a l'air d'être un vélo. Alors il y en a qui vont me dire mais what the fuck, on va revenir après sur les deux prochains codes sources qui sont vachement plus intéressants. Ici c'est le bike électro, c'est à dire que c'est une sorte de vélo avec un tout petit moteur dedans qui risque d'être incrusté. Il y aura plusieurs vélos apparemment avec des petits moteurs. Alors est-ce que ça sera dans ce DLC là ou un futur DLC? Warning, je ne sais pas. Donc ça peut être dans un futur DLC, mais je pense que ça peut être drôle d'avoir un petit vélo. D'ailleurs on a le base speed, donc on a au niveau de la vitesse, au niveau du handling, je pense au niveau de la maniabilité si je dis pas de bêtises, on a le poids et aussi on a au niveau de la customisation. C'est à dire que ce soi-disant vélo, en espérant que c'est pas une moto, je pense pas, parce que j'ai fait des recherches et tout et ça a l'air d'être un vélo, on peut le customiser. Par exemple là ils disent la couleur principale, on peut la changer, la couleur secondaire aussi on pourra changer, et aussi le type de smoke color, donc au niveau de, à mon avis, au niveau de la fumée, au niveau des roues, au niveau des trucs comme ça. Je sais pas, c'est étrange ce leak là que j'ai pu voir, donc c'est pour ça que je vous le partage. Si vous avez des idées ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à le partager dans la barre des commentaires, parce que moi honnêtement je suis ravi de vous y répondre. Je sais pas si vous remarquez, mais voilà, je fais quand même pas mal d'efforts de répondre à tout le monde. Et voilà, c'est avec plaisir.
enfin c'est un effort, c'est oui, mais à la fois c'est du plaisir, donc moi ça me fait extrêmement plaisir de vous y répondre à peu près tout le monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. C'est pas que monsieur a 90 000 abonnés que monsieur ne va pas répondre à tout le monde, non du tout, je marche pas comme ça, hein. C'est comme lorsque l'autre jour il y avait mon pote qui est venu chez moi, on est des personnes normales et qui on est un peu, on a des petits délires, des trucs comme ça, et voilà, on reste la même personne et on va pas changer parce que on a plus d'abonnés ou voilà, c'est ridicule là-dessus. On va passer avec le Vapid Guardian. Alors j'ai fait des recherches et tout et j'ai l'impression que c'est les caractéristiques ici qu'on retrouve sur le véhicule, vous savez, avec la petite tourelle. La petite tourelle, c'est-à-dire le véhicule que je vous ai dit qui n'a pas l'air vraiment d'être blindé. Avec une base speed de 20, base handling de 40, au niveau du poids 50. Donc je ne sais pas encore quelle... parce qu'il faut savoir que là, attention, c'est des sources. Est-ce que c'est des sources françaises, enfin européennes, ou est-ce que c'est des sources américaines? Je ne sais pas au niveau de la vitesse, qu'est-ce que vraiment ça veut dire. S'il y en a qui ont des idées ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour apprendre aussi. Avec, bien sûr, il est customisable, la première couleur, la seconde couleur, avec le type de pneu et tout, et aussi c'est marqué engine brakes allows, et puis on n'a pas la suite malheureusement. Donc au niveau du moteur, il y aura des petites choses personnalisables là-dessus, avec la deuxième photo qui à mon avis risque de refléter le fameux gros véhicule que je vous ai montré avec les grosses trucs, les grosses portes blindées et tout, et avec la petite tourelle qui est au-dessus, avec une base speed 45, base handling 40, base weight 20, première couleur customisable, la deuxième couleur aussi. Après, j'en sais rien, je peux pas vous dire si c'est exactement ce véhicule là ou pas, parce que lorsque je fais des recherches, par exemple, je mets générique Insurgent 2, je retrouve en fait le véhicule qu'on retrouve dans le trailer, donc on peut se dire, bah c'est bizarre, tiens, ça c'est peut-être en fait finalement un peu les caractéristiques de ce véhicule là. Après, peut-être pas, peut-être que voilà, les gens ils ont donné ce nom là, mais sachant qu'il n'est pas approprié et que ce nom là de ce véhicule là en fait désigne un autre véhicule, voire un autre véhicule qu'on ne retrouve pas dans ce DLC là et qui sera retrouvé dans un autre DLC. C'est vachement compliqué, je vous l'accorde. Merci pour tout les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Suzu personnelle. Au passage, j'adore mes miniatures, je fais beaucoup de travail dessus, je sais qu'il y en a qui vont me clasher et tout, mais j'adore mes miniatures, voilà, c'est comme ça. Allez, peace out. J'ai fini ma vidéo.